Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle courte vidéo légère. Je précise bien légère. Pourquoi légère? Ça fait déjà 3 fois que je dis légère. 4 fois maintenant. Mais tout simplement parce que je vais juste parler d'un thème d'icône. Juste ça. Oui, j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais sur l'ensemble de mes machines, de toute façon, sur toutes mes machines, c'est Linux Mint installé, que ce soit Cinnamon ou XFCE, j'utilise le même thème d'icône, et ce thème d'icône, c'est Papyrus. Papyrus, icône, thème. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime. Mon voisin va peut-être détester. Voilà, les goûts et les couleurs. Maintenant, il y a un autre thème d'icône qui est pas mal, que j'avais déjà installé par le passé. J'avais oublié qu'il existait. C'est Flat Remix. Je l'aime bien parce que. Ben, il ressemble à Papyrus Icon Theme, il ressemble, il y a pas mal de similitudes au niveau du design des icônes. Maintenant, vous allez me dire, ben, pourquoi tu l'installes alors? Ben, parce qu'il y a quand même une différence. Et la différence, c'est laquelle? Ben, c'est que Papyrus Icon Theme, les couleurs vont être moins flashy, moins prononcées, moins criantes. Tandis que Flat Remix, eh bien les couleurs, ben voilà, vont être plus criantes, plus flashy. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, on va démarrer. J'ai oublié. VMware, voilà. Workstation. Je vais prendre cette machine virtuelle que je lance. Donc c'est une quoi? Une Linux Mint 19.3 XFCE. La machine virtuelle que je démarre est exactement la même distribution, le même système que ce que j'utilise comme distribution hôte. Donc je me connecte. Voilà. Je vais d'abord vous montrer comment installer, si vous le désirez, donc Papyrus Icon Theme. Donc Papyrus Icon Theme, donc voilà le thème d'icône que j'utilise. Hein. Ok, voilà. Alors, ce que l'on va faire, on va juste démarrer une instance terminale. Vu que c'est une fraîche install, je vais faire un sudo apt update pour quand même mettre à jour tout ce bazar, comme on dit. Alors, façon, ça va être des pépins. Eh oui, c'est comme ça. Donc, on va faire affichage, zoom avant, affichage, zoom avant. Vous voyez, je suis gentil, je pense à vous. Alors, ça va être sudo add-apt-repository ppa 2 points et le ppa c'est Papyrus slash Papyrus. Donc Papyrus. Ok, c'est bon. Je valide. Ok, on fait de nouveau un sudo apt update. Et ensuite, on va installer Papyrus Icon Theme. Donc sudo apt install papyrus-, voilà, icon-thème. Et vous allez voir. Ok. On va aller dans apparence, icône, et on a dit que c'était quoi? Papyrus. Alors, vous avez Papyrus, voilà. Regardez, mais là il y a un petit souci. Donc il va falloir sélectionner Papyrus Dark. Là on corrige le souci. Nous avons Papyrus Light. Mais là, avec le light, vous voyez, il y a un petit souci quand même. Moi personnellement, j'utilise Papyrus qui est en fait prévu pour Elementary OS. Mais personnellement, pour moi, c'est celui qui est le plus cohérent, qui est le plus visible au niveau des dégradés de gris. Ok.
Et alors, ben, le bleu là est splendide. Maintenant, si je veux être plus. Comment est-ce qu'on dit? Encore plus cohérent, parce que là, ça va pas. On va faire apparence. Non, blue. Non. Minty Y. Non. Non. En bleu, j'ai pas grand-chose en fait. Attendez, je recommence. S'il... Non, 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 non. Ou alors, ce que je vais faire, hein, regardez bien, attendez. Mint Y Blue. Oh, on va mettre Blue. Ok, mais alors. À quoi? Ouais, on va mettre à quoi? Mais alors ici, dans gestionnaire de fenêtre, donc on va mettre Mint. Attendez, j'ai déjà oublié. Apparence, donc j'ai mis Mint Y à quoi? Donc on va mettre, voilà, Mint Y à quoi? Ok. On referme, on ouvre. Ah, c'est déjà un peu mieux. Ok, voilà. Et là, voilà ce que ça donne. Et là, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Voilà. Alors, on passe au suivant. Ouais, on passe au suivant. Et le suivant, donc, c'est Flat Remix. Donc, on va faire sudo. On rappelle la commande, une des commandes précédentes. Voilà. Et alors, ici, ça va être Danny Ruiz slash flat tiret. Remix, normalement c'est bon. Oui, je valide. Sudo apt update. Et alors on va faire un sudo apt install flat remix. Sudo apt install flat remix. Yo, c'est parti. Donc là, c'est juste un thème d'icône. Voilà, donc je vais me rendre dans icône. Est-ce qu'il apparaît déjà? Allez, mon coco, active s'il te plaît. Yeah, on est bon. C'est parti. Apparence. Icône. Et alors, voilà. Flat Remix Blue. Blue Dark. Blue Light. Green. Green Dark. Green Light. Red. Red Dark. Red Light. Yellow. Yellow Dark. Yellow Light. Pas mal. Regardez bien. Remix Blue. Splendid. Ce qu'on pourrait faire, on va faire donc blue 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 mint Y à quoi? Dark à quoi? Je veux du dark. Mais voilà, il n'y a pas le dark à quoi? Il n'y a pas, hein?
Ça, c'est dommage. Il y a le Y à quoi? Ah, ouais, si, pardon. Dark à quoi? On va laisser comme ça. Et gestionnaire de fenêtre, on va faire Dark à quoi? Voilà. Regardez comme c'est pas mal. Beau thème d'icône. Il est chouette. Apparence, icône. Ce qui veut dire que si je passe en vert, voilà. Donc alors, je dois revenir sur. Là, c'est pas dur. On va faire Mint Y. Où est-ce qu'il est? Mint Y, il est là, d'accord. Mais moi, je veux le Mint Y Dark. Voilà. C'est pas le même vert. Ah non, pas du tout. Ou alors, Mint Y. Non. Dark Teal. Ah, voilà. Mint Y Dark Teal. Gestionnaire de fenêtres, on a dit Mint Y Dark Teal. Voilà, yes, c'est pas mal du tout. Sur le gestionnaire de fenêtres, ça change pas grand-chose que je mette en dark ou en. Ah, ben oui, j'ai pas darker en gestionnaire de fenêtres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Apparence. Icône. Hey, on a le rouge. Red Dark. Oh là 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 là. Style. Mais là, est-ce que j'ai. Ah oui. Il me faudrait le Dark Red. Voilà. Et ici, gestionnaire de fenêtres, on a dit le Dark Red. Voilà. Et c'est pas mal du tout, hein. Ce qui veut dire que si je fais ça. View Exclusive Mode, voilà ce que ça donne. Et alors, si je retourne dans les icônes en vitesse, qu'est-ce qui nous reste? Icônes, on a le yellow, mais le yellow il est pas beau du tout. Voilà ce que ça donne, les amis. C'est pas mal du tout. Et le clic droit, voilà. Cool, hein? Voilà, allez, moi je vous dis bye bye une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux et sa vidéo légère. Allez, ciao.